Avec Patrick Fellou et Thierry Ravier qui ont des choses à nous dire sur les hippodromes. Mais d'abord, ils vont nous parler de. Alors, Patrick, en deux mots, hein, comme ce qui te caractérise, Patrick, ton parcours professionnel et, et de propriétaire. Eh bien, j'ai la chance et le privilège euh, d'être propriétaire depuis ma majorité. Euh, et ça, sans interruption. J'ai actuellement une dizaine de chevaux à l'entraînement. Euh, mais il y a quelques années, euh, il n'y a pas si longtemps, j'en avais une quarantaine. Mais j'ai réduit la, la voilure. Euh, par sagesse et par manque de temps aussi. Et Au niveau professionnel, l'entreprise, ça te connaît Alors professionnel, j'ai débuté ma vie professionnelle dans l'industrie. J'avais une usine en Yougoslavie et puis quand la guerre est survenue, j euh, je suis passé, euh, je me suis spécialisé dans le, dans la ressource humaine. Euh, ma deuxième moitié de vie professionnelle, je l'ai passée à l'international. D'abord aux États-Unis et puis aujourd'hui, ça se poursuit en Chine. Un citoyen du monde et un lyonnais. Thierry Ravier, en deux mots, la même, même question, quelle, quelle entreprise et quelle implication dans les courses Alors les couleurs familiales existent depuis 1973 et j'ai personnellement repris pris mes couleurs il y a maintenant une dizaine d'années. Euh, j'ai un effectif assez euh, hétérogène avec composé de chevaux d'obstacles composé de chevaux de plat, chez des grands entraîneurs et j'ai même un entraîneur particulier et au total ça fait un, actif, un effectif de 7 chevaux. Voilà. Et nous courons un peu partout en France. et C'est un sujet, je pense qu'on réabordera ou je, je cours oui, sur, oui, sur de nombreux, effectivement, sur de nombreux hippodromes. Peut être celui dans la fuite. mais je crois que Patrick a des choses à nous dire là dessus. Mais d'abord, sur le maillage des hippodromes en France. Alors c'est le fondement, c'est la base même de l'institution des courses. Euh, demain j'ai des partants à Nîmes, à Divonne euh, et à Strasbourg. Euh, la force de nos courses, c'est la, la, la présence de tous ces hippodromes qui font le, le maillage national. C'est la force des équipes de bénévoles qui font qu'aujourd'hui on peut en toute sécurité courir à Divonne ou, ou à Nîmes euh, dans des conditions... De de sécurité pour les hommes et pour les chevaux qui sont absolument euh, irréprochables. Euh, et il, il serait suicidaire de vouloir renoncer à ce, à ce maillage. Et c'est la raison pour laquelle nous avons l'ambition, euh, avec Serge Tardy et son équipe, d'avoir une équipe dédiée à ce, à ce développement de ce maillage. Euh, Puisqu'ensuite, euh, prenons un exemple que je connais bien, qui est celui de Lyon, nous arrivons à faire de nos hippodromes des centres de profit événementiels en dehors des courses qui font que les structures sont parfaitement rentable et parfaitement euh, positive pour l'institution. Patrick, pourquoi on ne peut pas faire ça à Maison Lafitte Alors, Maison Lafitte, d'abord, il faut que je dise que c'est vraiment euh, mon combat, c'est presque une croisade pour moi. Pourquoi Parce que sauver Maison Lafitte, c'est déjà sauver les hippodromes qui sont en danger de fermeture dans, euh, dans, euh, sur l'ensemble du territoire. Ensuite, euh, fermer Maison Lafitte, ça serait un arrache-coeur, mais pire encore, euh, ça serait surtout une, une, une erreur historique euh, qu'on regretterait, euh, qu regretterait longtemps, se euh, rappeler d'Evry. Voilà. Alors aujourd'hui, où en est-on L'histoire est simple. Euh, il n'y a plus strictement aucune raison pour fermer l'hippodrome, puisque la municipalité a voté il y a quelques semaines le fait de prendre en charge tous les, tous, toutes les, tous les frais d'exploitation de l'hippodrome. Euh, ceci sous deux conditions. La première, le maintien des 24 réunions premium. Et la deuxième, euh, ouvrir des négociations avec euh, France Gallo pour l'octroi d'un bail amphithéotique qui permettrait à l'Hippodrome euh, d'exploiter, d'avoir d'autres activités que, que les courses. Voilà. Donc, euh, en conclusion, vivent les courses à Maison laffitte mais dès 2020.